Alors voilà, ça cuit doucement dans la gamelle. On va aller voir ce que c'est. Donc ce sont, enfin c'est plutôt un restant de pâte. La crème est au lard. Là on a un bon morceau de pain. Hein. Ça fait des pâtes avec des pâtes. Hein. Une petite pomme et un bon morceau de fromage. Hein. Puis de l'eau, hein. Voilà. Ça commence à fumer doucement. On va un peu remuer tout ça. Hein. Voilà, ça réchauffe bien, vous voyez mes bons petits morceaux de lard, ma crème, là je viens de remuer. Bon, c'est cuit, là, maintenant je le garde un peu au chaud. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, les affaires sérieuses commencent. Le petit copain. Regarde-moi ça, toi. Viens par ici. Viens par ici, toi. En dessous. C'est bon, mais c'est chaud. Hein? Hmm? On est pas mal là, dans ma petite cabane pour manger, mais il fait pas bien chaud aujourd'hui. Hein? Ils avaient annoncé à la météo des températures automnales. Que c'est presque plus qu'automnal. Hein. Je suis à l'abri, j'ai mon petit reste de survêtement hein, pour avoir bien chaud. Et je mange du chaud aujourd'hui. Hein. Enfin bon, il pleut pas. Ne nous plaignons pas. Je me régale. Hein. Hein. En fait, c'est ça, la vie, c'est profiter de la vie, c'est voilà, profiter de ce qu'on aime surtout, faire ce qu'on a envie de faire. Passer au-delà des contraintes, des restrictions, des interdits. Et pour moi, la nature, bah, c'est la liberté. Hein. Là, je suis dans ma cabane, bah... je suis bien dans les bois, voilà. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qu'est-ce que tu veux de mieux, camarade? La liberté, c'est celle que tu prends, que tu t'octroies. Sans chercher les autres. Ça, c'est... fondamental. Parce que ta liberté ne doit pas empiéter sur celle des autres. Tu ne dois pas les emmerder si tu ne veux pas qu'ils t'emmerdent. Le vent souffle bien aujourd'hui. Hein. Ça ne m'empêche pas d'être heureux dans les bois. Dans ma cabane, je vais faire une belle balade là. Cet après-midi. Ah, les pattes. J'aime bien même. Ouais. Excusez-moi. Si mon esprit vous quitte de temps en temps,
que je suis un doux rêveur. Et je regarde là. Et la colline qui est en face de moi, puis je suis heureux. Voilà, je suis parti. Un petit peu attaché au fond de la gamelle, mais bon, c'est bon. Il y a une expression qui dit heureux comme un poisson dans l'eau. Mais moi, je suis heureux comme un renardeau, un jeune renard, hein, dans les bois. Enfin, t'as vu la gueule du jeune renard, mais bon, ouais, j'aime les renards, j'aime les renardeaux, c'est trop beau et trop mignon. Voilà, je suis un renardeau dans les bois, libre. Voilà. Libre et sauvage, hein. On m'a attrapé. Ça se devait être bonheur, hein. C'est malin. Un renard, hein. Ah ben. Pain. Il est bon, hein. Ça colle. Donc bientôt. Là, c'est tout ce que j'emmène hein, dans mon sac à dos, mais. J'ai mon fils Frédéric qui m'a offert deux boîtes de rations de combat, rations militaires. Et c'est bien pratique parce que il y a tout là-dedans. Tu peux tenir quasiment une journée et demie. Bon, c'est des conserves. Hein. Mais il y a tout. Il y a tout dedans. Voilà, tu as entrée, plat, dessert, des pâtes de fruits, du café. Des comprimés pour assainir la flotte. Donc je prendrai ça la prochaine fois, parce que c'est pratique. Mais bon, c'est bien pour faire un bivouac. Hein. Donc avec ce qu'il y a à manger dedans, tu tiens la soirée, la nuit et le petit déjeuner le lendemain. Hein. Voilà, ça va me rappeler des souvenirs quand j'étais à l'armée. Alors aujourd'hui, j'essaye d'être un bon gamin, bien élevé, bien éduqué. J'essaye de ne pas claquer de la gueule, comme disait ma mère. Donc pour éviter de le faire, bah, il faut ne pas parler en mangeant. C'est pour ça que je parle entre chaque bouchée, c'est un peu mieux déjà. Mais, comme dit le Glaude, au Bombay, on sait se tenir, hein. On a déjà été au restaurant. Hein. Ce ne sont pas des absences épileptiques que je fais. Ce sont des absences de rêve, de nature, de paix et de tranquillité. Il n'y a rien de mieux. Comme disait ce chanteur que j'aime bien, Stéphane Escher, déjeuner en paix. Et bien ça, pour moi, il n'y a pas au-dessus. Oui, mon vieux Stéphane Escher, il n'y a pas au-dessus. Déjeuner en paix. Elle voulait déjeuner en paix, mais il voulait aussi déjeuner en paix. Hein. Et d'énergie pour cet après-midi. Voilà.